Ce mois-ci, donc, du coup, on a joué trois matchs dont deux déplacements. Le premier, c'était à Mont-de-Marsan. J'étais pas de la partie, mais ça a été un match humiliant. On prend une branlée là-bas. La semaine d'après, on reçoit Brive dans un contexte un peu particulier où on a fait des choix, la vie groupe a fait des choix par rapport au staff. Donc il fallait assumer nos choix et ça s'est résumé par une belle victoire contre Brive sur un match qui a été vraiment très dur et beaucoup d'intensité dans ce match-là où on est sorti vainqueur. Et après, le troisième match était déplacement à Agen, ou pareil, qui se résume au même match de Mont-de-Marsan, où on n'y est pas. On prend aussi une branlée, on prend 40 points là-bas, donc c'était humiliant et très décevant. Bah, il fallait se racheter du match de Agen. Voilà, il y avait du monde qui était au stade, donc ça nous fait énormément de bien dans la tête et pour tous les joueurs, parce que forcément quand il y a du monde au stade, bah, c'est toujours plaisant de jouer devant du monde. Et voilà, non, c'est plutôt bien racheté de notre déplacement avec bonus offensif où là on met plus de 40 points, donc très satisfaisant pour la tête pour cette fin de saison. Non, oui, c'est quand même bizarre qu'à domicile on fasse des grosses performances et qu'à l'extérieur on soit pas nous, alors que chaque fois qu'on joue un match on y va pour gagner. J'ai jamais vu quelqu'un de l'équipe se déplacer pour en prendre 40 et être passé pour des chèvres dans la télé. Donc je sais pas ce qui fait que... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est à nous de régler ça jusqu'à la fin de saison, parce qu'il nous reste 8 matchs à jouer et il faudra ramener un maximum de points à l'extérieur. L'objectif, on se l'est dit, de toute façon, c'est de regarder vers le haut. On est à 3 points de la 6e place, donc tout est possible. Donc à nous de faire en sorte d'y arriver ou de mettre toutes les chances de notre côté pour prétendre à cette 6e place. Parce qu'on sait que la 5e place sera très, très compliquée. Donc voilà, on reçoit plutôt des équipes plutôt mal placées, on va dire. Plus abordable, nos déplacements sont des très gros déplacements, on va se déplacer à Vannes, on va se déplacer à Nevers, on va se déplacer à Aix-en-Provence, donc c'est que des grosses équipes, donc voilà, donc à nous de récolter le plus de points à domicile et d'aller chercher cette 6e place. Non, bah, je pense que pour la plupart des joueurs, c'est de rentrer. Moi, je rentre souvent chez mes parents, je vois mes amis d'enfance, donc c'est ça qui me... J'en ai besoin, c'est ce qui me donne un second souffle, on va dire, et d'essayer de penser à autre chose du rugby. Ça ne me met pas du tout de pression, justement, je préfère avoir cette responsabilité-là en plus, comme ça moi ça me permet d'être vraiment concentré sur mon match et d'être plus performant aussi pour faire gagner l'équipe. Donc voilà, en absence de Sam, forcément, bah, c'est moi qui ai repris ce rôle. Après, que quand il est là, je me prépare toujours à que ce soit moi, on ne sait jamais, il peut se blesser, sortir, voilà, des fois il y a des coachings, donc tout dépend le match, le déroulement du match, comment il se passe. Je me prépare toujours à buter, que ce soit en sa présence ou non.
Oui, forcément, je fais ça depuis que je suis gamin, donc quand tu butes, eh ben, ça te met un peu plus en avant, on va dire. Donc voilà, tu as un peu plus de responsabilité. Quand les matchs sont souvent serrés, bah, ça se joue des fois à 2 ou 3 points. Donc c'est ces points-là qui sont importants, donc ça me met une bonne pression en plus. Non, j'essaie juste à penser à ce que je fais depuis tout petit. Voilà, je sais que j'ai un tic ou un toc, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est qu'aux entraînements, je commence toujours du côté gauche et quand c'est le jour de match, je commence toujours par le côté droit. Donc c'est bizarre à dire, mais c'est ma route. Ça peut être ma routine, ça l'est en tout cas. Donc pour le moment, ça me porte plutôt chance. Ah. Bah nous, c'est toujours le même repas, on mange tous ensemble au stade quand on joue à domicile, c'est toujours pas de poulet, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas, ce qui prend moins au ventre. Moi je trouve que maintenant les jeunes générations, elles sont bien plus préparées au haut niveau, je trouve, le suivi et qu'ils ont en jeune et bien plus performante que moi j'avais en tout cas, enfin c'est mon ressenti. Quand tu vois maintenant les éclosions qu'il y a au niveau du top 14, tous les 6 mois il y a un nouveau jeune qui performe et qui est appelé en équipe de France, donc je me vois pas du tout comme eux, donc non, c'est après chacun a son rythme aussi de développement, d'autres qui démarrent très tôt, d'autres qui démarrent un peu plus tardivement, pardon. Donc voilà, chacun a son rythme et c'est toujours bien d'avoir des nouveaux petits jeunes à ses côtés. Je pense que c'est la phrase basique, hein. Fais ce que tu as à faire, prends-toi pas la tête, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois et pour le moment, ça, c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Oui, forcément, quand on est nombreux, la moindre performance négative, bah, forcément, on peut vite être hors du groupe, donc ça booste un petit peu. Après, la relation qu'on a entre nous et les scènes, il n'y a pas de coup par derrière aux entraînements ou quoi, c'est vraiment, vraiment cool entre nous. Je pense qu'on essaie de se booster entre nous, que ce soit sur les performances en muscu ou sur le terrain. Voilà, quand il y en a qui fait une belle action, bah, voilà, on veut montrer que nous aussi on peut en faire une. Donc forcément, ça nous pousse vers le haut et je pense que c'est plutôt bien pour l'équipe d'avoir une concurrence comme ça que de se tirer dans les pattes. Je vous remercie de venir au stade. Voilà, la saison n'est pas finie, donc j'espère que vous serez encore nombreux jusqu'à la fin de saison. Il nous reste encore de belles échéances à vivre et pourquoi pas jouer les phases finales une nouvelle fois cette année.